du spectacle des souris et des hommes. J'ai eu le privilège d'interviewer des spectateurs en live, superbement sympathiques, qui m'ont communiqué donc leurs émotions, leur retour en live dans le théâtre. Et là, je suis avec Manu, acteur justement, salut. Comédien. Salut. Qui a joué un rôle pas facile du tout. Hein. Je suis le méchant. C'est le méchant. Donc une base. De jouer le méchant ou de jouer gentil, finalement. C'est vachement agréable à nourrir un méchant. Il faut l'aimer. Alors c'est plus difficile d'aimer un méchant, mais c'est tellement agréable après d'essayer de le comprendre et de donner de la matière, quoi. Mais il n'y a pas une sorte de catharsis, justement, enfin, quand... Non, après j'oublie, j'enlève. J'enlève, mais c'est trop beau d'être le méchant. Hein. Pendant 2 heures, c'est exceptionnel. Et puis tu sens dans la salle que tu crées une tension. Les gens t'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Et quand il y a la bagarre et que je me fais malencontreusement casser la main, les gens apprécient. J'ai cette sensation. Oui. Hein, qu'ils ne sont pas mécontents que je me suis fait péter la gueule. Ah ben, on se dit enfin une justice. Voilà, voilà, ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que vous avez en plus un jeu... C'est fluide, en fait. C'est très, très fluide. Vous avez mis combien de temps pour Mais cette pièce? Elle est créée en 2002, la pièce. Hein. D'accord. Donc, ça fait 15 ans qu'on la joue, avec des pauses, avec... 15 ans qu'il a joué. On joue tous ensemble sur d'autres choses, mais c'est une aventure exceptionnelle. Puis c'est une aventure humaine, parce que ben, on s'aime tous beaucoup, et puis on joue. On essaie d'être le plus naturel possible, le plus crédible. Voilà, je suis dans tes yeux. Hein? C'est vrai qu'il y a des plans, j'ai remarqué aussi des plans très intimes, très proches, ouais. À distance, elle est vraiment... Créé en 2002, on se connaît tous depuis 15 ans, il y a eu 26 enfants qui sont nés depuis le début de la création, pas entre nous, mais voilà, on se voit en dehors, en dedans... Non, puis cette pièce, elle est merveilleuse, elle ne s'arrête pas, c'est une aventure exceptionnelle, il faut venir nous voir. Oh bah alors ça, c'est clair, hein. De toute façon, je vais mettre tous les liens. Bonjour Maria, bonjour Daniel, bonjour Mimi, René du Québec. Hein. Ah, salut René. On a des auditeurs du Québec. Yes, the man. Québec libre. Exactement, Québec libre, René, Québec libre. Dédicace. En tout cas, merci pour ça. C'est vraiment un cadeau. J'ai passé un très très bon moment. Je recommanderai, mais sans hésiter, le spectacle. D'ailleurs, c'est déjà fait. Hein. Je recommande déjà. Venez. Et vraiment, en tout cas, là, on va boire un coup, c'est vrai. Oui, c'est oui, ça oui. On va boire. Oui. Ok. Allons-y. Monsigny. Allez, arrive. Merci. Merci. Parti. Voilà un autre, clampin. Je suis en live. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Une femme dans la Facebook. D'accord. Prodigieuse comédienne, les amis. Elle est super. Oh, bah. J'ai bien fait de venir. Voilà. Il n'y a que pour parler à lui, on a parlé que de solitude maintenant. Mélinda. Ah, c'est joli, Mélinda. Mélinda. J'ai pas choisi, hein, promis. Non, mais. Ouais, c'est joli. T'as le droit. Hein. Mélina, je sais pas ce qu'elle veut boire, Mélina. Moi, je prendrai un cure royal. Parce que ce soir, c'est royal. Voilà. C'était dans le public. Ouais. On la connaît pas, non. C'était dans le public. Il y a des journalistes avec nous. Voilà. Et je fais c'est la rancine. Ah, c'est génial. J'ai adoré. Avec les bretelles, là. C'est une composition. Une composition de personnage. Parce que si tu voyais ce qui est écrit dans le texte, ouais. C'est pas du tout ce qui est sur scène. Ah bon ? D'accord. Enfin, c'est un peu, évidemment. Ah ouais. Son rôle à l'aide, c'est pareil. Il y a eu un travail de malade sur les personnages. Quoi. Parce que c'est... Si tu le lis, c'est un gros drame. Il n'y a rien de drôle. Ah oui, c'est pas très drôle, oui. Il n'y a pas de respiration, ouais. c'est tel que l'a adapté Steinbeck, c'est lui qui l'a adapté la pièce. C'est lui qui l'a fait l'adaptation. Justement, vous arrivez par votre jeu d'acteur à mon personnage, à moi par exemple, c'est un gros comique, un gros bouffon. C'est un gros bouffon.
Mais il tue le chien. Pourquoi il tue le chien? Parce que il tue pour le bien de tout le monde. Il ne tue pas pour le plaisir. Arnaud et Nadia. Nous venons de voir, bon, je suis un peu émue, hein, parce que c'est vrai, c'était très fort. Des souris des hommes au théâtre de Michel. Voilà. Et je voulais savoir comment vous avez ressenti ce spectacle. En deux mots, comment vous le décririez? En deux mots? Ouais, entre autres. La première émotion qui vous vient là, ce serait quoi? C'est juste magnifique. Des comédiens exceptionnels avec du vrai jeu d'acteur. Intense, ouais. Passionnant. Ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup de messages. Ouais. Perturbant? Oui, dans le jeu d'acteur, oui, dans le jeu d'acteur. Ouais. Surtout la fin. Hein. Oui, surprenante sur la fin. Non, mais le jeu des faibles, le jeu des classes, le jeu des... Tout ça, c'est terriblement bien joué. Et puis... ce qui m'a marqué aussi, c'était le silence des comédiens quand c'était pas leur, enfin, quand ils prenaient pas la parole, le jeu qui était, enfin, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a eu une bonne gestion des silences. Hein. Ouais. Enfin, c'était pas des silences. C'était des silences, mais des silences qui communiquaient. Communiquaient. Exactement. Exactement. Sur une époque, sur une histoire, sur des histoires. Sur, voilà, ça fait appel à plein de choses. Et vous aviez déjà, vous, eu connaissance du sujet avant? Enfin, vous étiez renseigné sur le sujet? Je connaissais que les raisons de la colère, c'est tout. Oui, enfin, des souris des hommes, oui. Hein. Tu l'avais en film? Oui, je l'avais vu en film. En film peu, qui reprenait un peu, c'est ce que j'expliquais à Nadia tout à l'heure, qui on retrouve les mêmes, la même lourdeur sur certaines périodes, à certains moments du spectacle. Mm-hmm. La même intensité, non, c'était surprenant, agréablement surprenant. Donc vous recommanderiez bien sûr ce spectacle? Alors complètement. Et il n'y a pas un comédien qui nous transportait pas. Ils sont tous de nous, tous. C'est le propre d'une grande œuvre que ces personnages nous escortent. C'était magnifique. Ouais. On a passé un excellent moment. Ouais, très très bon. Bon bah je crois que tout est dit. Ouais. Donc vous n'avez plus, voilà, on est les derniers dans le théâtre, vous voyez. Et j'espère que voilà. Bah, ce sera un moment de porte-bonheur. Tout à fait. Et on ne veut pas partir tellement c'était bien. Et encore merci à vous pour ce retour. Merci beaucoup à vous et de nous avoir choisis, surtout. Je pense que ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. Effectivement. Quel que soit le journal ce que vous faites, en tous les cas, juste la rencontre. Et c'est aussi l'un des sujets, les gens qui se rencontrent. C'est vrai. Et qui partagent des moments ensemble. C'est vrai. Ce qu'ils disent, non, les gens, ils ne se parlent pas, ils ne sont pas deux. Humainement parlant, il y a de forts messages de solidarité, de comment aussi la gestion des émotions vient court-circuiter ou provoquer des situations parfois déstabilisantes. Bah, je crois que la vie est une succession de gestion d'émotions. Tout à fait. Savoir comment on se positionne par rapport à certaines injustices aussi. On va prendre comme mot de la fin, malgré les... Il y a des messages forts, mais ce message surtout, il nous dit continuez de vous aimer. Et ça ne nous empêche toujours pas d'arrêter de s'aimer. En tout cas, on s'aime toujours. Oh. Voilà. C'est magnifique. Rendez-vous au prochain spectacle avec MCOM. Bye, merci. Bye. Beaucoup.